la discussion entre Wakehead et Tyler Boivin. Donc, Wakehead va tenter de réveiller ses troupes. Combat face à... Là, Wakehead voulait enlever le casque. Boivin n'a pas voulu. Là, on en sent pas avec Wakehead. Boivin tente un premier coup de poing. Et là, vraiment, c'est plus un combat de lutte. Les deux qui tombent sur la patinoire. Donc, ce sera tout pour le combat entre Antoine Wakehead et Tyler Boivin. Et là, Wakehead qui aurait voulu offrir une meilleure performance. Et je pense que du côté du banc, des éperviers, il va falloir quand même comprendre le message, même si ça n'a pas été un super combat. Comprendre le message qu'il y a des joueurs dans cette équipe-là là, qui n'ont pas encore abandonné. Non, tu l'as dit, David. Et Wakehead, c'en est un depuis le début de la saison. Il avait raté là, le premier mois de la saison. C'était une blessure, mais vraiment, là... C'est un joueur là, qui se donne à tous les matchs et vraiment essaie de